Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le 6ème épisode sur Arc Primalfear en compagnie de beaucoup de monde. Bonjour. Bonjour. Et également en compagnie d'une nouvelle personne, Mister Simeon. Coucou. Bonjour. Fais doucement avec tes ciseaux. Bon, aujourd'hui, 6ème épisode, et aujourd'hui est un épisode assez... On va dire que c'est une nouvelle étape, puisqu'aujourd'hui, il est grand temps de faire éclore enfin nos œufs de viverne. Alors, nos œufs, en fait, est un grand mot, puisque actuellement, il n'y a que moi, en fait, qui a un œuf de viverne à faire éclore. Mais du coup, je vais quand même le faire éclore. Et si, c'est un œuf de wyvern. C'est juste que c'est une espèce un petit peu rare. Oh. Alors, à savoir que dans la faille, on a été le chercher, il y a plusieurs types de viverne, il y a les apex et les alphas. Donc j'ai des œufs d'apex, malheureusement très bas level, et qu'on fera éclore, je pense, peut-être d'ici quelques épisodes lorsqu'on passera au stade apex. Mais en attendant, je vais directement lancer la petite alpha poison 185 en espérant avoir de bons stats. Oh, déjà, elle est stylée. Alors, déjà, oh, mais toi, oh, la vache, 45 000 PV, elles ont. Alors, 45 000 PV, 3200 de stam, 690 de. Bon, oxygène, on s'en fout. 35 000 de feint. 2640 de poids et 332% de dégâts. Et ben franchement, je dis ça passe. En même temps, un petit bébé Ice Micro. Mega Raptor, pardon, pas Micro Raptor. Oh là là, il est trop beau. Noxious Terra. Uh-huh. Non, 216. Non, c'est une erreur de temps. Non. Ah oui, non, par contre, toi, tes Ice Mega Raptor, ils rigolent pas. Hein. Ah ouais, quand même, 46. Ah ouais. Ouais. La Wyvern, elle fait bébé à côté. Voilà. Ouais, c'est vraiment, en fait, c'est d'abord méga raptor et ensuite viverne. Voilà. Alors là, par contre, la maturation. Ah oui, mais attends, ça va être hyper long, ça, par contre. 1% seulement. Oh ouais, mais c'est très long, les wyvernes. Ah ouais, genre combien de temps? Trop long. Ouais, ça, j'ai bien dû peut-être attendre une heure avant qu'elle soit grande. Tant que c'est pas 2 heures, moi je dis. Ça va. Je veux tester. Alors, putain, déjà, le machin est immense. Mais c'est quoi ce truc pété de ouf? T'as vu, on dirait un vaisseau spatial, le machin, il va tellement vite. Non mais genre vraiment, tu rajoutes des effets spéciaux avec des tirs de vaisseau, mais c'est tellement pété, j'en veux un, je m'entamais un prochainement. Trop bien. Et alors pour qu'elle grandisse, vaut mieux de la viande, vaut mieux du lait, ou elle aura pas besoin de nourriture là, Olivier? Bah ça mange pas de viande déjà. Tu peux lui mettre de la viande aussi, moi je crois qu'elle mange de la viande, non? Seulement à partir d'un certain stade. Moi je dis, on va tester, est-ce qu'elle bouffe de la viande actuellement? Mais oui, pas du tout. Aime la viande. Donc, non. À mon avis, non, je pense qu'il faut attendre un certain stade. Elle aime pas non plus la primite. Mais alors, attends, le câlin. Et ben voilà. Bon, bah, 100% direct. Ah, bon, bah, c'est bon, on a terminé. Bon, bah, tu peux aller vaquer aux d'autres occupations, là, c'est bon, quoi. Ah, mais un seul imprint, ok, ouais. Presque 2 heures plus tard, nous nous retrouvons avec l'alpha viverne poison, à présent grand et. Oh ouais, non, par contre, ça va être chiant, ça. Oh, j'annonce, s'il y a tout le temps un truc en plein milieu de l'écran, mais oh, mais ça va être chiant, ça. Alors ça, c'est parce que... D'accord, donc c'est pour lancer le poison. Ok, alors, est-ce que ce poison fout de la torpeur? Alors, peut-être pas essayer sur un mégalodon. Parce que c'est pas forcément très très facile de le toucher, mais c'est peut-être pas la meilleure cible. Alors déjà, niveau vitesse, je dirais que c'est la vitesse d'une viverne, hein, pratiquement. Je crois qu'il n'y a pas grande différence. Et on va essayer, voilà, sur un petit bonto. On va voir ce que ça donne, peut-être en lâchant un petit crachat. D'accord, donc vraiment, c'est que... ouais, bon, par contre, t'as quand même un 1600. Ok, ça par contre c'est pas mal. Mais par contre, le point négatif c'est que ça fout pas de torpeur. Enfin, point négatif, est-ce que c'est réellement un point négatif au final? Je pense pas. Mais c'est plutôt beau à savoir. On va pouvoir, tiens, démonter le petit alpha enforceur. Ça c'est quoi? C'est Primal Tech. Ah ouais, je sais pas si ça tape fort ça. Ça tape à combien? Ah oui, 4000. Ouais, d'accord, ouais, non, on va éviter. Oh mais attends, ma viande elle va mourir là. 20. J'ai déjà. Elle va déjà mourir. Je viens à peine de la faire naître, elle va déjà mourir. Mais quand même. Ah non, c'est bon, d'accord, ça s'arrête. Ah, ok, c'est bon. J'ai eu peur là, les 22 secondes de saignement là. Ok, non, tout va bien. Bon, bah, Primal, c'est pas pour tout de suite. Et en même temps, ce serait plutôt pas mal si je me mettais une petite armure. Parce que c'est vrai qu'il y a normalement l'armor Wyvern. Alors attends, c'est laquelle? C'est. Déjà que je la retrouve. Voilà, celle-ci. Ça serait pas mal. Aïe aïe aïe, elle a beau avoir 50 000 PV, mais elle a pris cher en 2-2. C'est même pas le 4000 qui m'a fait bobo. Non, c'est juste le saignement. Aïe aïe aïe. Bon, on va les heal tout ça. Je sais pas s'il y a des trucs de heal alpha health potion. Ouais. Alors, tac, on va s'en crafter une petite. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et je sais pas du tout en fait si c'est pour la viande, mais bon, au pire, on va y avoir. Et du coup... Ah si, d'accord. Ah ok, un petit healing. Ah ouais, non, c'est vraiment un tout petit healing de rien du tout, là. Ah non, d'accord, du tout. Oui, non, d'accord, ça augmente bien. Ah ouais, non, d'accord, oui, non, c'est... Ouais. Ok.
Ouais, c'est pas mal, ouais, comme healing. C'est à refaire. Très bien. Oh, mais ça, c'est génial, ça. Oh, mais c'est beaucoup trop bien. Attends, je vais m'en crafter un autre. Hop, oh, par contre, je vous dis pas les lags d'un Primal Smithy. Oh, horrible. Bon, on a gagné 6 levels. On va augmenter un petit peu la vitesse pour le moment parce que ça traîne un petit peu. Alors, vous, on va. Voilà, vous péter. Oh, ça fait tellement du bien d'avoir enfin un bon dino avec quoi péter. Ces derniers jours, j'ai cherché énormément de dinos à tamer, comme par exemple Alpha Argentavis, Alpha Pteranodon, etc., etc. Des alphas volants, et bah je n'ai rien trouvé de haut level. Enfin, si, tout à l'heure, j'ai trouvé un Pteranodon 150 alpha. J'étais content de fou. Et c'est qui ça? C'est... Ah, c'est Siméon. J'étais tout content d'en avoir trouvé un, jusqu'au moment où... Bah, comment dire, un Chaos Megabitacus a sauté dessus. Donc, bah, du coup, il n'y a plus. Et 700. Ouais, non, ça va, franchement. L'Apex Enforcer fait pas non plus très, très mal. On va juste aller farmer un petit peu tout ce qui est peau. Parce que ce serait plutôt pas mal d'avoir un petit peu de Alpha Hide. Et ça nous permettra d'avoir notre petite protection. Ok, j'ai cru que c'était un Alpha. Ça, c'est Alpha Snow, là. Quoi. Donc, toi, par contre, t'es bien Alpha. Alors, on va essayer de te becter. Je sais pas si on va pouvoir. Ok, voilà, nickel. Il est en aggro. Level 55, ça devrait bientôt décéder. Encore un petit dernier coup. Voilà, nickel. Et en plus, un petit. Oh, un petit Amiguel Peur, mais c'est génial ça. Artifacto, on va éviter, ça c'est pas pour nous. Oh mais c'est tellement bien d'avoir un dino avec quoi faire des dégâts. Oh par contre t'as pas pris mon poison toi. Ça fait combien de mon poison d'ailleurs? Du 400, ouais non le poison c'est pas fou hein. C'est... Je tiens à dire c'est pas fou du tout. On va d'ailleurs augmenter un petit peu le gamma, très bien. Eh bah écoutez je pense que ce qu'on va faire, on va aller se trouver quelques petits trucs à becter par-ci par-là. Voilà, histoire de pex un petit peu. Et une fois qu'on aura les stats un petit peu augmentées sur notre viverne, pourquoi pas aller tester d'aller à l'île aux vivernes. Ouh, le spawn est un petit peu pété. Nous voilà à jour avec la bonne chronologie cette fois-ci. Puisque oui, cet épisode est tourné en parallèle par rapport au dernier épisode. Soit on a tamé ces deux petits cocos juste ici, qui sont d'ailleurs en repro, voilà, pour faire quelques petits œufs. Et j'étais chercher un autre petit œuf d'Alpha Lightning Vivern 233 reproduit par Jesse. J'ai également un autre œuf ici d'Alpha Lightning Vivern 239, donc on va bien voir. Et j'ai ensuite deux œufs d'Apex, mais ça sera pour plus tard, sachant qu'en plus, c'est pas très haut level. Alors, tac, on va pouvoir lancer cet œuf là qui va éclore d'ici 3 minutes. Et pendant ce temps là nous allons pouvoir lancer cet œuf qui va éclore. Normalement. Yay, ok, 233, elle est toute blanche avec un petit peu de rouge. Eh mais je crois que c'était elle que j'avais repeint. Mais ouais, je crois que je l'avais repeint chez Jessie. C'est pour ça qu'elle a pas la bonne couleur. Ouais, la tuerie qui a ramassé l'œuf. Ah ouais, d'accord. Alors au niveau des stats, 48 000 PV, très bien, 473, bon, c'est les stats parfaits globalement. Est-ce qu'elle a une mutation? Pas du tout. Eh bah écoute, hop, on va te désactiver la promenade, on va te mettre en passif, on va mettre ton suivi en très proche. Tu vas venir par là. Ouais. Au moins, ce qui est vachement cool, c'est qu'elle n'a pas besoin de lait. Et, oh, mais c'est hallucinant, c'est dodo, mais comment il ponte, c'est un truc de fou. Même au niveau des Featherlight, hein, depuis le dernier épisode, enfin, en fait, depuis 10 minutes. Ah, il plante plutôt pas mal, hein. Franchement, il y aura moyen très prochainement de faire pas mal de kibble. Hop, voilà, encore un œuf. Non, mais vous arrêtez jamais, hein. 0 seconde. Ok, 239, exactement la même couleur. Bon, en soi, la couleur, c'est pas très important, puisque, bah, en fait, elles sont toutes changées. Alors, toi, tu es mâle, et toi, tu es femelle. Oh, ouais, oh, c'est trop bien. Alors, par contre, il me faut trouver le petit modèle. Alors, bouge pas, on va essayer, tiens, avec celui-là, voir un petit peu ce que ça donne sur cette viverne. Ah, ouais, non, pas très beau. Imaginons ça, tac, juste essayer quelques... Oh, elle est pas mal comme ça. Alors, je sais pas si je veux la garder comme ça, mais... Ah, elle est pas mal. Qu'est-ce que ça donne sur celle-ci? Ah ouais peut-être, ça reste à voir. Hop, cette couleur sur la viverne. Tac, voilà. Oh non, non, c'est horrible. Ah non, j'annonce complètement horrible. Maintenant, le vert sur celle-ci. Ah comme ça, ça peut passer. Ça fait très moche, mais ça peut passer. Eh bien écoutez, pour le moment, on va la laisser comme ça et on verra plus tard. Très bien. Nous sommes sur l'île de la Muerte, avec toujours autant de bordel, mais c'est hallucinant. Avec d'ailleurs aussi Jirox et Jessie, hein, coucou. Ouais, coucou. C'est pas très rassurant, hein. Non, alors faut que je retrouve où c'est. Tout à l'heure j'avais vu une cave là par là, je sais pas si c'est cette cave là. Ah, c'est par là, okay. tout droit. Alors là, il faut rentrer vite dedans par contre. Tu vois l'entrée là, parce que... face à nous? Ouais, ok. Bip, donc, bip. Tu rentres et tu fonces parce que les Reapers vont suivre. Ça marche. Wow, après tu stops le temps que ça charge. Ouais, ok. Et normalement bien. On est ok. Ah, il y a okay, le bouffon. Bah... Putain, il y a le bouffon qui suit. Faites gaffe. Restez bien en hauteur. Oh, on a le bonus de couple et tout. Tellement cher. Ouais, en plus on peut le taper de loin. Oh, c'est trop bien. Bon, allez, on te défonce, petit bouffe. Ah bah voilà, nickel. Bon, je sais pas si c'est le meilleur plan, hein, très clairement, d'être en volant dans cette cave, mais... Bon, ça va être facile.
véhicule merdique à dedans si je pense que c'est un bon plan. Ah ouais. Ouais, mais je dis juste niveau déplacement. Ouais. Est-ce qu'on mettrait le téléporteur ici? Ça me paraît bien. Ouais, en vrai, tu peux essayer. Cave Hill Delamere. Voilà. Nickel. Alors, par là, est-ce que ah ouais, c'est beau ça. Ah c'est ouais, c'est pas mal, d'accord. Il y a de la sale bête. Des... Oh, d'accord. C'est quoi? C'est des Toxic Tarantules. Il y avait des alphas, ouais. Non? Je sais pas, j'ai cru voir des alphas. Non, c'est elles ont un bonus d'alpha comme des alosaures. Moi j'ai croqué, tapé. Strat universel. Putain, mais tu sais, en vanilla, ça va être fou de faire cette cave. Avec les jumps et tout, ça va être pas mal. T'as vu la statue, Starkey? Attends, qu'est-ce que. Oh, oh ouais! Oh, stylé! Ah, ouais, j'avais pas vu, ok. Ah, elles sont pas mal, hein. Enfin, elle est pas mal. Allez, classe. Mais ouais, en vanilla, elle doit être trop bien cette cave à faire. Un petit. Tu sais, elle est vachement compliquée, mais pas non plus trop compliquée. C'est ça qui doit être bien. Ça doit être infâme à faire en vanilla, quoi. Ah, mais il y en a une autre là de statue. Ah oui, ouais, c'est pas mal. Hein. Après, dommage que pour moi les textures cherchent pas. Je sais pas si parfois aussi vous avez le même problème, mais c'est très chiant parce que quand je vais à certains endroits de la map, vraiment j'ai aucune texture qui charge. C'est hallucinant. Mais bon, hop, on va continuer d'explorer. Oh, il y en a partout. Hein. Oh, ouais, mais le nombre de dinos qu'il y a là-dedans. Mais en vanilla, en fait, je sais pas si c'est vraiment le meilleur plan de le faire. Hein. C'est. Ouais. C'est bon. La mort en vanilla, rentrer là-dedans. Ouais. À pied surtout, quoi. Quoi. Peut-être qu'un jour, j'irai peut-être amener des tarentules ici. Il y a des spots à tarentules, genre dans d'autres caves, plus haut level. Oh, tiens, qui est le loot. Vas-y, je te laisse le prendre, je vais clean. Merci. Alors, dedans. Oh là 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 là. Oh, mais c'est incroyable. Une selle de Carbonimus légendaire. Ah, c'est dingue. On continue par là. Très bien. Non, droite ou gauche? On est au début. Il y a un œuf qui est descendu tout à l'heure. Enfin, Jesse. D'accord, on a fait le tour. C'est ça. Ok, bah attends, on parle d'y avoir un autre endroit, je pense, quand même. Enfin, c'est. Non, on a la salle principale. Non, non, c'est pas tout. C'est pas possible. Il y a forcément quelque chose. Après, là, il y a des dinos. Ah, là, on est parti à droite tout à l'heure. Ah oui, ok, gauche, donc là, on doit aller à gauche. Très bien. Ouais, voilà, il y a encore d'autres trucs. Hop, petit clic droit, c'est plaisir. Ah, attends, j'arrive. Ok. Voilà, bonjour. Alors là, il y a quelques petits trucs, encore un petit loot jaune. Très bien. Alors hop. On va d'abord tuer ça avant. Je vous dis encore ce qu'il y a dedans. Attention, préparez-vous, hein. Mentalement et physiquement. On n'est pas prêt, je crois. Dans le loot jaune, nous avons un gant en tissu rare. Et une selle de. Enfin, une sacoche de viande mythique pour l'hyène. Ouais. D'accord. On a trouvé l'artefact. Oui. Oh, j'arrive. Là. Oh, d'accord, c'est celui-là. Ok. Ah, c'est l'artefact de la bête, ça, non? Ou l'artefact de... Non, du dévoreur, pardon. Bon, bah... La bête, il est tout jaune, le chou. Suivant. Je sais pas s'il se régène comme pour les artefacts sur The Island ou c'est infini. Je la laisse le prendre. Allez. Non, vas-y, prends. Si. Je suis en train de faire la place dans le QPU, là. Et B, faut attendre. Ouais, bon, bah... Il ripop pas, c'est dommage. Oh bah, attends, bon. Sachant que je m'étais trompé aussi, je crois, dans. Alors, je sais plus dans quel épisode, j'avais dit qu'on n'aurait pas du tout besoin des artefacts. Oula, quoi? Wow. Oui, c'est bugué. Oh, damn it. J'avance dans le vide, hein. Je sais vraiment pas du tout. Non, sortie de caverne, mais où est-ce qu'on va? Je sais pas où je suis. Oh, c'est pas le bon plan, ça. Ok, c'est bon. Pas du tout bon. Je suis revenu dans la cave. Ok, attends, je vais sur ça. Hop. Attends. Il y a rien d'autre, en fait, là-bas au fond, c'est un cul-de-sac. Ouais, je pense que c'est un cul-de-sac total ici, ouais. Merde, juste les textures qui sont... Ah, l'artefact, oui. Ah ouais, putain, c'est un cul... Oh, les enculés, c'est un cul-de-sac. Alors, par où on est venu? On a dû venir peut-être par là-bas. Ouais, voilà, ouais, c'est ici, la petite fontaine de lave. Bonjour les tarentules. Ça fait plaisir. Ah. Et bah du coup, rush, go le rush hein, pour sortir si vous voulez tenter la sortie. Let's go. Allez, let's go. Motivé. Le lag, c'est bon. Ouais, faut monter direct. T'as tapé dans une alpha. Ouais. Hein. Je t'ai vu, t'as tapé dans une alpha. Faut monter direct hein, dès que tu sors. Oh, ouais, c'est ça. Sinon, mais c'est fou le nombre de démoniques qu'il y a ici, quoi. Il y a un dragon là-bas, alpha. Mais regardez ça, il y en a quatre au même endroit. C'est... Mon dieu, Apex, Dodo, Viverne, totalement normal, très bien. Par ici, est-ce que nous avons des petits œufs de Rogue Drake par à tout hasard? Non, ici, il n'y a que des œufs Vanilla, c'est chiant. Dans la faille. Alors, ici, il y a un œuf. Un œuf. Oh, Vanilla de foudre, t'es sérieux? Réellement rentrer dans la faille? Oh, j'ai envie de prendre l'œuf. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de prendre l'œuf pour aggro tout le monde? Non. T'es au courant qu'il y a une Célestiale au-dessus, il y a une Manticore dehors. Elle va vite? Bah, la Célestiale. La Célestiale, allez, ouais, à mon avis, elle doit. J'ai pris un œuf. Corrupted Célestiale! Ouais,
Mantis. Je sais pas ouais, si d'accord, elles sont... Elles s'en foutent, hein. Bah alors, elles s'en foutent, mais alors en mode royal. Alors, en fait, j'en ai que une en aggro, et ça doit être une Vanilla, je pense. Attends, juste savoir, c'est... Ah non, une Noxious, d'accord, très bien. Mais tout ça pour dire qu'au niveau des œufs, on est plutôt pas mal. Dans la faille, j'ai récupéré tout ça en œufs. Alors évidemment, pas les œufs de Featherlight, puisqu'en fait, ils se sont tous, mais tous, accumulés. Mais genre quand je vous dis ils se sont tous accumulés, je crois que juste sur un nid, un moment, j'ai dû en ramasser 12. Bref, et j'ai trié un petit peu les hauts levels. Et... Alors, il n'y a que celui-là. Il n'y a que celui-là. Même pas celui-là, pardon. Il y a que... Alors, il y a 1, 2, 3, 4... Et 5. Donc ça veut dire que sur environ une centaine d'œufs, j'en ai que 5 au level. Ah ouais, non mais vraiment, c'est la crise. Sinon, globalement, les vivernes sont en train de s'accoupler, voilà. Et alors, peut-être que certains s'en rappellent, mais sur la série Arc Vanilla, j'avais eu une viverne. Franchement, je suis tombé amoureux. Une viverne de poison lors des events et... Ah ouais, c'est bien elle. Alors, j'ai été récupérer la couleur en solo. Bon, autant vous dire, j'ai un petit peu galéré. Mais... j'adore. Franchement, j'adore cette viverne et je suis juste trop content d'avoir récupéré la couleur. Grâce au mode Dino Colorizer, hein, forcément. Hop, alors, par contre, vous allez mourir. Voilà, ça fait un petit peu de viande. J'ai juste sauvegardé la couleur, mais je suis tellement heureux et à un point... Vous ne pouvez même pas imaginer, même si, ok, bon, les viviernes maintenant, c'est un petit peu dépassé, puisque le début de cet épisode a été tourné avant le dernier épisode, ce qui en soit un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Mais ouais, non, mais je suis littéralement refait pour cette viverne, mais c'est tellement un plaisir. C'est vraiment pas le meilleur dino, hein, mais c'est juste, je la kiffe, c'est la couleur que je kiffe. La effet, bon, évidemment, c'est pas vous taper. Avec le poison, elle fait du, attention, 610 et 10 par tic. Ouais, en soi, ça va. C'est pas non plus... c'est pas la catastrophe, mais... Oh là là. Oh, j'adore ces livres. Bref, dans tous les cas, je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour ce 7e, je crois, ouais, épisode sur Arc Primal Fear qui, j'espère, vous aura plu. Normalement, si tout s'est bien passé depuis la publication de cet épisode, j'aurais normalement fait un live. Je suis pas totalement sûr hein, du live, mais je suis censé peut-être avoir fait un live. Je sais pas trop encore si je reprendrai les lives sur Twitch ou sur YouTube. Dans tous les cas, merci beaucoup pour tout vos soutiens sur cette série. Ça nous fait juste extrêmement plaisir. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu. Et puis bah du coup, c'est Starkin. À la prochaine. Et puis salut. Tchuss.